Good morning, allez, Yiden, les tuzra aujourd'hui, le Nishmat, Nissim Ben Aouda, Sarah Batran Rachel, ainsi que l'Irfouat, Arya Kiba Ben Shachar, Shlomo Ben Esther, Raphaël Zvulun Ben Chayamalia, et les Hatzlachat, Daniel Ben Esther. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sefer Avot, Perek Vav, Mishnah Bet, Amar Biyoshua Ben Levi, Bechol Yom Vayom, Bat Kol Yotzet Mehar Chorev. ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שנוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם, ואומר, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות, שנוחה בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד התורה, וכל מי שעוסק בתורה, תדיר, Rabbi Yeshua ben Levi, Rabbi Yeshua ben Levi avait l'habitude de dire Bechol yom vayom bat kol yotzet mehar chorev. Chaque jour après jour, c'est-à-dire jour après jour, il y a une bat kol, il y a une voix yotzet mehar chorev, il y a une voix qui s'élève du mont Chorev, du mont Sinaï, d'où la Torah a été donnée. Il y a là-bas une voix qui sort, ou machrezet, et elle publie, elle crie, Veomeret, et elle dit, Oy lahem la beriyot me'elbona shel Torah, malheur, ô créature, à cause du elbon, à louv, elbon, de l'affront qui est fait à la Torah. Soit la Torah a été donnée au Sinaï, et alors, c'est probablement une métaphore, mais pas forcément, comme on va dire ensuite, au mont Sinaï, il y a là-bas une voix du ciel qui s'élève et qui dit « Malheur aux les pauvres, toutes les créatures qui délaissent la Torah pour s'occuper de... Enfin, d'accord, qui délaissent la Torah pour s'occuper de tous leurs besoins profanes, alors qu'il y a une Torah si grande qui leur a été donnée, qu'ils pouvaient faire tellement de choses et s'élever tellement avec, et ils la laissent comme ça, alors donc il y a cette voix qui crie justement ça. Est-ce qu'il y a une voix réellement qui crie ou pas? Alors, tout d'abord, on peut facilement interpréter que non, que c'est une manière de parler. Mais le Tiferet Israël rapporte que on rapporte les géographiens, je ne sais pas ce que c'est, s'il y a des scientifiques pareils, en tout cas, qu'il y a autour de l'endroit où la Torah a été donnée, on entend là-bas, jour après jour, on entend là-bas des sortes de bruits du ciel, c'est en plein désert, mais des sortes de bruits du ciel, comme s'il y avait des tonnerres, et il explique que c'est probablement ça. D'accord? Si vous voulez, allez faire un petit tioul dans le Sinaï, et vous nous donnerez vos remarques sur le site. Est-ce que réellement vous entendez quelque chose? Probablement que oui, mais ne perdez pas votre temps à faire un tioul. Étudiez plutôt la Torah, ce sera bien plus utile. En tout cas, donc, Oy lahem le briot me'elbonash el Torah, malheur aux briot qu'ils délaissent et qui font en cela un affront à la Torah. Pourquoi? Chez Kol Mishaino Osek Batorah, car toute personne qui n'est pas Osek Batorah, qui ne s'investit pas dans l'étude de la Torah et la comprendre, approfondir, alors Nikra Nazouf, il est appelé quelqu'un de répugné, de rejeté. Chez Neymar, comme dit le verset, Nezem Zahav Be'af Chazir, Isha Yafa Vesarat Ta'am. C'est un passage dans Michelet qui nous dit, d'abord c'est un machal, qui nous dit, un anneau d'or, ça se met dans le nez, en théorie. Ouais, à l'époque, en tout cas, il y avait comme ça, on marque dans Shabbat, comme c'est devenu à la mode, j'ai des gens un petit peu hippies, on se met des anneaux dans le nez. En tout cas, il y avait comme ça un bijou, et la Mishnah le compare en nous disant que c'est, il a mis un anneau d'or sur un nez de cochon. Bien évidemment, vous savez bien, le hazir, le halouf, lui, il va toujours mettre son nez dans les poubelles, dans les choses les plus basses et les plus sales. C'est sa nature. Il cherche, je ne sais pas ce qu'il cherche là-bas. En tout cas, donc il a mis un bel anneau d'or sur un nez qui va partir constamment dans la bassesse. Ainsi, dans la saleté. Et ainsi est une Isha Yafa Vesarat Tam. Vous allez avoir une belle femme et qu'en fait, qu'elle est vide à l'intérieur. Elle n'a pas de jugeote, elle n'est pas intelligente comme femme. Alors, on a le passage qui nous dit une femme qui est pourtant qui paraît très belle et gracieuse. Et en réalité, à peine vous commencez à lui parler, vous voyez qu'elle n'a rien dans la tête, elle est complètement vide, elle n'est pas du tout intelligente, elle est sarat ta'am, il lui manque du ta'am, d'expliquer des choses, de comprendre des choses. Ainsi, ouais, le pasouk la compare, donc regardez, c'est une triple comparaison en fait. On compare l'image donc, du cochon avec
l'anneau dans le nez qui va mettre son nez dans les poubelles, avec une belle femme, qu'en réalité, elle est bête. Et ainsi, la Mishnah nous dit la même chose, en fait. Tout ça, c'est encore un machal pour arriver à quelque chose de plus profond. C'est, ça peut être soit, selon les explications, soit le Am Israël avec la Torah, et qu'est-ce qu'il fait avec sa Torah? Rien du tout. La Torah, Hachem lui a mis une Torah sur la tête qui virchol, et il utilise sa, toute sa sagesse, tout ce qu'il apprend, pourquoi? Pour savoir comment réussir à faire des belles vacances, je ne sais pas où, et puis comment ramasser de l'argent pour pouvoir ensuite partir acheter je ne sais pas quelle voiture, et ainsi de suite. C'était pour ça, ou bien tout simplement, il y en a qui expliquent que le Nimshal, le comparé en fait, c'est le cerveau du humain en général, mais surtout du Am Israël, qui lui a été donné particulièrement, la Neshama en fait, qui lui a été donné pour pouvoir percevoir, comprendre, approfondir la Torah, et utiliser ça pour gérer toutes ces affaires bêtes et nulles, et bidons, et dire des blagues, et... D'accord ? Futilité. Donc ça, c'est le Nezel Zahav Be'afrazir. Et en plus de ça, deuxième misère qu'il se fait, à part le fait qu'il s'appelle Nazouf, regardez ce qu'il perd. Alors là, c'est un peu compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord traduire, et puis après, on va revenir pour comprendre le sens avec la Mishnah, comment ça se lie avec la suite. Parce que si on dit Ve'omer, et aussi le Pasouk dit encore, ça veut dire qu'apparemment, on vient étayer le même principe qui a été dit. Or, ça va être compliqué à comprendre. D'accord ? En tout cas, d'abord, on se contente de traduire. Ve'aluchot ma'ase Elohim Ema. Les luchot, les tables de l'Alliance, les luchot abrit, les tables de la loi, comme on les appelle. Donc, elles sont ma'ase Elohim Ema. Elles ont été la création d'Hachem. Les premières luchot, ça a été directement Hachem qui les a fait sortir, qui les a créées. Va'amirtav, à la différence des deuxièmes luchot, que c'est Moshe Rabbeinu qui est monté avec les deux tables, et que Hachem a écrit. Tandis que les premières, les luchot elles-mêmes, elles étaient d'Hachem. Ve'amirtav, mirtav Elohim hu. Et l'écriture qu'elle a eu dans, c'était une écriture d'Hachem. Chavrut ala luchot, elles étaient gravées dans les luchot, dans les tables. Donc l'écriture d'Hachem des Aseret Adibrot était gravée dans les tables. Maintenant, le mot chavrut ala luchot, la Mishnah nous enseigne, Altikre Charut et la Cherut. Ne lis pas le mot Charut qu'elles sont gravées, mais plutôt lis le mot Cherut, la liberté, pour t'apprendre que là, de là que Shanenecha ben Chorin et la Mishé Osek betalmud de Torah. Il n'y a d'homme réellement libre que celui qui s'investit dans l'étude de la Torah. Alors, on va maintenant expliquer qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette phrase-là. Et après, on va voir comment l'interpréter avec la partie précédente de la Mishnah. D'abord, il n'y a d'homme libre que celui qui étudie la Torah. Ça implique que, regardez, tout simplement, allez faire un tour allez voir les gens, plus ils vieillissent, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux même. C'est le même principe, vous allez voir, les gens qui vivent dans ce monde, qui sont trop matériels, trop attirés par le matériel, ils sont prisonniers de leur instinct, constamment. Ils sont sans arrêt en train de vouloir courir après autre chose. Ils ont sans arrêt des besoins. Là, aujourd'hui, Bichlal, je suis étonné, à chaque fois que je remarque les gens avec leurs appareils, ils sont sans arrêt en train de regarder, on dirait tous des hyperactifs. Ils sont là, ils vous parlent, ils sont en train de regarder. On entend le... Et hop, ils regardent. Et calme-toi, mon pote. Étudie la Torah. On parle de gens... Ah ouais, calme-toi, apprends à te concentrer. Apprends à supprimer tous ces gens qui peuvent t'écrire. Les hommes, malheureusement, quelqu'un qui n'étudie pas la Torah aujourd'hui, c'est très flagrant, ça se voit clairement, ils utilisent plus, ils ont plus aucune liberté, ils sont sans arrêt prisonniers de leur instinct, prisonniers donc de tout leur monde matériel, sans arrêt des besoins, toujours besoin de blaguer, toujours besoin de raconter leurs histoires, incapables d'attraper un sujet, réfléchir dessus et percer, et étudier et à l'approfondir et aller jusqu'au bout avec lui, incapables de s'investir pour parler à l'autre, pour le réconforter, pour des choses, des paroles chachamot, des paroles sages. Donc il n'y a d'homme libre que celui qui étudie la Torah, c'est ce que ça implique. Alors que quelqu'un qui étudie la Torah, il est maître de lui-même, il est plus esclave de son instinct. D'accord ? Maintenant, quel rapport avec la Mishnah ? Alors là, c'est une autre manche de travail. Dans le but de la Mishnah, on parlait de... On va suivre une interprétation du Midrash Shmuel. Le but de la Mishnah, elle était de nous dire qu'il y a la fameuse voix du Har-Horev qui crie et qui dit « Oh, malheur à toutes ces créatures qui délaissent la Torah, qui font des affronts à la Torah en ne l'étudiant pas. » Parce que tout d'abord, il est Nikra Nazouf, et qu'en plus de ça, alors il s'attire des graves problèmes qu'il s'impose d'exil. Faut savoir, on est tous Adam la Amal Yulad. On est tous là pour se travailler et pour travailler. Et puis, soit on décide de prendre le joug
de la Torah, et dans ce cas-là, tant mieux pour nous. Et sinon, Chas v'Chalila, ils partent en exil, ils ont des soucis qui lui tombent sur la tête sans arrêt, parce qu'il doit étudier la Torah. Et donc, de ce fait, le seul moyen, la seule possibilité d'être libre, c'est d'être libre en se donnant la Torah. De retirer de ses épaules le joug des difficultés de la vie. Le seul moyen de l'avoir, c'est en s'adonnant à la Torah. Si tu crois que c'est parce que quand tu seras beaucoup plus riche et aisé, que tu seras plus tranquille, et bien malheureusement, les soucis viendront le courir après, parce qu'on n'est pas là pour ça. On n'est pas venu sur Terre pour se la couler douce, on est venu sur Terre pour travailler dur. Et soit on choisit lui-même de se défaire de tout ce joug en étudiant la Torah, autrement, le joug il viendra malgré nous. Et ça, donc c'était en ça que le Midrash Moel interprète cette partie de la Mishnah avec le début. Et à part ça, maintenant, la Mishnah vient et nous vante encore une des vertus de la Torah qui nous dit « V'chol mishosek batorah rezimit aleh » Sache que toute personne qui va étudier la Torah, il y en a qui disent, c'est-à-dire tout le temps, alors au final, il va finir par s'élever. S'il va s'investir, c'était pas compliqué. Tu es capable de prendre une ligne. Eh bien, commence à prendre cette ligne et répète-la. Une fois que tu es sûr dans la main, passe à la deuxième ligne. Pourquoi tu crois que tu vas étudier tous ces livres et tu vas voir la bibliothèque, tu diras ah, c'est pas fait pour moi. C'est pas vrai. Tout celui qui étudie la Torah, bah, sauf omit, allez. Il faut juste être patient. Commencez d'abord une halakha. Elle est claire. Je l'ai bien comprise. Je suis capable de la répéter. Allez, je passe à la deuxième. Je suis capable de répéter maintenant les deux en même temps. Je passe à la troisième. Je suis capable de répéter les trois et ainsi de suite. Et tout celui qui va s'investir dans la Torah, il est mit, allez. Il va finir par s'élever. Chez Neymar, comme nous dit le pasouk, alors il faut prendre le pasouk un petit peu plus en arrière en fait, qui a marqué là-bas, on est dans la Shirat Abeer. Quand il y a le miracle qui a été produit dans le désert avec le BR de Myriam, alors les bénis Israël ont dit Azachir Israël Atachira Azot, ils ont fait une Shira sur le BR, et là-bas la Shira se finit en nous disant Ome Midbar Matana, Ome Matana Nachaliel, Ome Nachaliel Bamot. Et ça, Chachamim l'interprète en nous disant Midbar du désert du Sinaï, donc là où on a reçu la Torah, alors Matana, Hachem leur a donné en cadeau la Torah. Omi Matana Nachaliel, et étant donné que la Torah leur a été donnée en cadeau, alors Nachalo El, Klomar, et Viam Bechelko. Hachem les a fait hériter d'être maintenant, d'avoir Hachem qui va prendre en héritage. C'est-à-dire, grâce au Arsinaï, on a reçu la Torah, que par la Torah maintenant, on est devenu les petits chouchoutés d'Hachem. Omi Matana Nachaliel, Omi Nachaliel Bamot. Et lorsque maintenant tu vas t'investir dans la Torah, pour qu'Hachem t'a donné en signe distinctif, alors Bamot, forcément, tu vas parvenir à t'élever, Bezrat Hachem. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Uvsera.